À 40 ans, Kinevé est un homme comblé. Depuis 2008, le chanteur se hisse régulièrement dans les charts francophones grâce à des tubes légers tels que À l'horizontale, Rien qu'une fois, ou encore La vie du bon côté. À la ville, il partage son quotidien avec la même femme depuis 16 années. Si l'interprète de J'aimerais trop tient à dissimuler l'identité de sa chair et tendre, c'est que, après tant d'années passées ensemble, le chanteur et sa compagne ont traversé de nombreuses épreuves. Dans une interview donnée au magazine Closer en 2021, le Normand a abordé la possibilité de sa stérilité. Car, depuis une décennie, Kinevé et sa compagne ont des rapports non protégés. Sans jamais de grossesse. Malgré tout, le chanteur refuse de se soumettre à des tests, de peur de voir la faute rejetée sur sa bien-aimée. Je ne désire pas que ce soit elle le problème, avait-il confié à nos confrères de Closer. Imaginons que le test révèle que je ne le suis pas, cela voudrait dire que je n'aurais pas eu d'enfant à cause d'elle. Quoi qu'il en soit, Kinevé a statué sur la question, il ne veut pas et n'aura pas d'enfant. Pris par sa carrière, qui implique beaucoup de déplacements, le chanteur a expliqué à Télé Loisirs qu'il n'est que très rarement chez lui. Une condition rédhibitoire pour le Normand, qui ne veut pas être un papa intermittent. Pour être papa, il faut du temps, dit-il. Je ne suis jamais chez moi. Je ne veux pas faire un enfant, juste parce que j'ai envie d'en avoir un. Ce serait le summum de l'égoïsme. Si je faisais un enfant, il n'aurait pas de papa, ou alors un papa intermittent. Sur 365 jours, il me verrait peut-être 70 jours, et encore, je serais fatigué donc je ne serais même pas totalement disponible. C'est comme si j'en avais eu mais aujourd'hui, Kinevé l'assure, la stérilité n'est plus un sujet avec sa compagne. Grâce à son union, le chanteur a pu avoir un aperçu de la parentalité. Son épouse, de 8 ans son aînée, a déjà eu deux enfants d'une première aventure. Et, à en croire le chanteur, c'est tout ce qu'il lui faut. Ma femme a deux enfants, je les ai éduqués, ils sont grands maintenant, a-t-il expliqué, toujours à nos confrères. Si est-il comme si j'en avais eu. Et puis, j'ai un rythme effréné, le mois dernier, je n'ai été chez moi que 5 jours. Dans ce cas-là, adopter, ce serait presque de l'égoïsme. Article écrit en collaboration avec Simedia Crédit Photo, Rachid Bellac.